Aujourd'hui, on va réaliser le trileçe, ce dessert albanais. Mais je pense qu'il y a des origines turques, etc. Mais qu'on le fait pas mal chez nous. Tu commences avec la génoise. Tu vas venir casser tes œufs comme ça, que tu montes avec ton batteur. Tous les ingrédients, vous les trouvez en premier commentaire. Ensuite, tu vas venir rajouter ton sucre en une fois et tu vas monter. Regardez ça, bien doublé de volume. Et en ce moment-là, tout simplement, tu vas venir rajouter ta farine. Et ta compote avec ta maryse tout doucement sans faire tomber la pâte. Une fois que tu as fait cette opération-là, regardez, hop, la pâte est prête. Tu mets ça sur le papier qui va au four, sur le récipient. Et tu cuis ça à 180 pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, tu le sors, tu vas le piquer avec une fourchette. Et dans la plaque, tu mets du lait, de la crème et tu vas remettre ta génoise dedans. Ça va bien imbiber. Regardez, on rajoute de la crème et du lait par-dessus et on laisse 10 minutes au frais. Au bout de 10 minutes, là, la génoise a tout pris la crème et on va terminer avec le caramel. Si vous voulez la recette de caramel, ça sera sur le prochain post. Avant de les déguster, vous attendez bien une trentaine de minutes au frais et regardez, c'est terminé. Bah si t'as aimé, abonne-toi pour d'autres recettes. Allez, ciao, bye. C'est trop bon.